Merci pour l'invitation. Donc, en effet, je suis jeune président de l'INSERM. Donc, je suis ici aujourd'hui pour faire une petite overview de la recherche à l'INSERM et aussi de la recherche médicale plus en général et aussi pour discuter avec vous. Donc, cet exposé n'a pas visé à être exhaustif. Alors, je voudrais dire que nous avons cinq leviers. Donc, l'INSERM se veut au cœur de la recherche biomédicale. L'idée est d'innover par notre recherche, du laboratoire jusqu'au patient. Innover aussi par la tech transfert et la valorisation industrielle, qui est un point souvent faible en France, mais qui est actuellement en vraie relance, et on y reviendra. Et aussi innover grâce au réinvestissement national qui a été décidé via différentes actions dont on parlera, la loi de programmation de la recherche et France Santé 2030. Et aussi, l'INSERM ne doit pas être déconnecté de la société et la recherche médicale doit aussi être connectée avec notre société pour gagner ou regagner la confiance de nos citoyens. Alors, nos missions à l'INSERM, c'est initier, développer, coordonner une recherche biomédicale d'excellence, avec une production, une diffusion des connaissances. Nous souhaitons, et clairement je souhaite que l'INSERM joue un rôle absolument majeur dans la coordination nationale de la recherche en santé, également soutenir l'enseignement supérieur, valoriser nos découvertes et apporter aussi une expertise scientifique. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident ou dans lequel aussi l'INSERM a peut-être été pas assez présent lors de la crise pandémique et clairement aussi une expertise, une aide à la décision en matière de santé et aussi une veille sanitaire, notamment sur les maladies infectieuses émergentes via la NRS, qui est une agence de l'INSERM et avec qui, donc bien sûr, nous travaillons. Mais sur ces aspects-là, je souhaite aussi renforcer significativement cet aspect veille et conseil sanitaire scientifique. Alors, l'INSERM, c'est quoi ? Donc, c'est donc 13 500 collaborateurs. Avec donc tous ne sont pas payés par l'INSERM. Il y a 8000 personnes qui sont payées par l'INSERM, comme vous le voyez. Donc, à peu près moitié-moitié des chercheurs et des techniciens ingénieurs. Nous avons la recherche se développe sur 260 unités de recherche qui représentent 1200 équipes de recherche dans toute la France, avec 34 centres d'investigation clinique, 36 unités de service, une présence à l'international avec de nombreuses coopérations internationales, comme vous pouvez le voir, des laboratoires européens et internationaux associés et deux unités INSERM qui sont à l'étranger. Et puis, un budget global qui est en hausse depuis plusieurs années, après avoir stagné pendant très longtemps, qui est actuellement à 1,150 milliards. Mais 60% seulement vient de subventions d'État, le reste vient de ressources externes, en partie les grants, et quelques ressources externes hors grants, qui représentent moins de 10% du budget. Et puis un portefeuille de près de 2000 familles de brevets, et on pourrait y revenir. Alors l'INSERM a été créé en 64, donc on approche de son anniversaire, et l'INSERM est... a participé à de nombreuses avancées scientifiques que vous voyez ici et que vous connaissez pour certains, mais l'INSERM a été au cœur de la recherche biomédicale en France et veut le rester. Alors, vous voyez la répartition des unités de recherche en France, la moitié quasiment des unités de recherche sont sur l'Île-de-France, donc qui représentent une énorme force de frappe, bien sûr, cette université en est une, principalement, je dirais, autour de trois universités, associées à trois universités, Paris-Cité, Sorbonne-U et Paris-Saclay. Et vous voyez aussi qu'il y a une répartition dans les grandes villes, avec quelques villes qui sont sous-représentées, mais les grandes villes comme Marseille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse sont bien présentes, Montpellier. Et puis, donc, vous voyez la répartition sur les unités de recherche, les unités de service, qui sont... Je rappelle que nos unités de recherche sont tous mixtes, c'est-à-dire nous avons tous au moins... Toutes nos unités ont au moins une co-tutelle avec une université. Donc ça, c'est une caractéristique de l'INSERM. Et ces co-tutelles sont
parfois étendue aussi avec le CNRS ou le CEA, l'INRIA essentiellement et quelquefois avec l'INRAE. Donc, mais il y a toujours une, dans le nom mixte, il y a toujours une université et on pourra y revenir. Les unités de service, c'est pareil, c'est avec l'université. Les centres d'investigation clinique sont à double tutelle DGOS, donc pas loin de CHU et INSERM. Alors, l'implantation en Europe, elle est représentée ici, vous la voyez. Donc, il y avait dans le passé plus d'unités à l'étranger. Il y en a maintenant plus que deux, des UMR. Le reste, maintenant, ce sont des programmes coopératifs, collaboratifs, entre des laboratoires INSERM en Europe et aussi dans le monde, comme vous pouvez le voir ici sur cette diapositive. Alors, quelques exemples qui, pour montrer l'évolution médecine, science, innovation. Je rappelle que l'INSERM se positionne de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche clinique ou appliquée à la clinique. Donc, la recherche fondamentale supportée en grande partie par ces unités de recherche. Nous avons aussi, nous pilotons ou copilotons un certain nombre d'infrastructures nationales de recherche. Le P4 Mérieux de Lyon est piloté uniquement par l'INSERM, mais en infrastructure nationale, il y a une GESTEM, il y en a d'autres. Les centres de recherche clinique, essentiellement en charge des études phase 1 à phase 3, et puis les cohortes qui sont gérées ou co-gérées avec l'INSERM. Alors, quelques exemples aussi d'avancées récentes. Par exemple, ici, c'est un travail donc, de l'équipe de Jean-Luc Casanova et du professeur Abel sur le rôle de l'interféron type 1 dans la gravité de l'infection Covid, qui a été publié dans d'excellentes revues. Et puis, vous voyez aussi les technologies de la santé qui arrivent de façon forte maintenant à l'INSERM, mais aussi dans la recherche biomédicale. Une des évolutions aussi importantes, et on y reviendra peut-être dans la discussion, c'est, je dirais, une augmentation, un accroissement de la recherche transdisciplinaire sur ces dernières années qui va aller en augmentant. On a ouvert hier un programme d'équipement et un programme équipement prioritaire en recherche de 60 millions avec l'INRIA sur le numérique en santé. Et donc, on voit bien qu'il y a maintenant une transdisciplinarité qui se majore. Et vous voyez ici l'exemple de l'imagerie et des ultrasons avec ici des travaux de via les ultrasons, une visualisation d'un fœtus par ultrasons et une visualisation des vaisseaux par ultrasons. Et c'est l'équipe de Michael Tanter, très soutenue par France Santé 2030, est implantée dans Paris Santé Campus, qui est Porte de Versailles. Et donc, vous voyez ici tout ce qu'on peut faire, mais aussi avec derrière, pas seulement de l'imagerie, mais aussi des applications thérapeutiques sur le rôle des ultrasons dans les traitements. Cette équipe aussi a participé, par exemple, à la mise en place de l'évaluation non-invasive de la fibrose hépatique, quelque chose que je connais bien, par les ultrasons, qui est commercialisé partout dans le monde et qui a remplacé en grande partie la biopsie hépatique pour évaluer la fibrose. Et aussi, derrière, il y a des applications thérapeutiques qui vont aller jusqu'à essayer de casser de l'athérome au sein des coronaires. Enfin, donc, ce sont des évolutions technologiques importantes. Et là, c'est de l'imagerie cérébrale également que vous voyez ici, toujours par microscopie à ultrasons, avec donc la circulation dans le cerveau et ici donc une évaluation de ce qui se passe dans cette zone que je connais pas bien hein, puisque moi je connais que le foie. Voilà, c'est des différentes choses qui se font. Et là donc ce sont des coronaires toujours en ultrasons comme vous pouvez le voir ici. Dans le cœur de rat. D'autre part, un exemple aussi de repositionnement d'une molécule anticancéreuse
pour traiter les patientes, les personnes atteintes du syndrome de CLOVES, qui est en fait le syndrome d'hypercroissance dysharmonieuse. Je crois que c'est la maladie qu'on appelait von Recklinghausen. Et donc, cette molécule a été donc testée par l'équipe de Guillaume Cano et qui a montré une diminution absolument surprenante et stupéfiante de ces tumeurs et donc qui a été reconnue par l'FDA. Et puis, vous voyez aussi des applications avec la mesure ici quantitative de l'infiltration d'une tumeur, ici un cancer colorectal, par des cellules immunitaires, pour essayer de prédire donc le risque de récidive du cancer et d'ajuster la conduite au traitement. Donc, un certain nombre d'applications pratiques, mais aussi dans les approches, des approches de modélisation pour appuyer la décision publique à partir de cohortes en réalité, avec l'utilisation de big data, la création de modèles, et puis aussi pour donc essayer de découvrir des mécanismes, de valider des paramètres et aussi d'explorer différents scénarios possibles dans ces stratégies. Vous avez probablement vu, pour ceux qui s'intéressent à la grève de rein, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création d'un algorithme sur plusieurs dizaines de milliers, à partir de données de plusieurs dizaines de milliers de patients, pour essayer pour prédire le rejet de greffe rénale. C'est un travail de l'équipe d'Alexandre Loupy, avec derrière une start-up qui s'est constituée et un algorithme qui est validé par l'FDA. Donc, on voit donc cette connexion de plus en plus forte, d'ailleurs, entre le monde de la recherche et le monde de l'innovation. Et puis, vous avez l'étude Nutrinet Sorté, c'était une cohorte donc de l'INSERM, développée par Serge Herzberg et son équipe, et Mathilde Touvier. Et donc, de cette étude et cette cohorte était issu le Nutri-Score, que vous voyez maintenant sur des aliments. Qui d'ailleurs, il y avait un numéro du Point cette semaine pour discuter la valeur du Nutri-Score et son impact sur différentes maladies. Et tout ceci, donc, ces études de cohorte sont extrêmement importantes pour notre recherche biomédicale. Alors, à partir de ces recherches, on voit aussi que des start-up maintenant commencent à se créer. Alors, vous savez que nous avons une filiale qui s'appelle Inserm Transfer, qui a été créé il y a une vingtaine d'années quand Christian Bréchaud était président de l'INSERM. La vision que j'avais de l'INSERM Transfert, aussi de la valorisation en France, était assez, je le dis franchement, négative. Quand je suis arrivé, j'ai un peu découvert que, en tout cas, l'INSERM Transfert s'était vraiment professionnalisé avec maintenant des beaux succès et d'ailleurs commençant à générer des revenus pour l'INSERM ou les partenaires, et bien sûr aussi pour les fondateurs de start-up. Et d'autre part, Inserm Transfer se positionne aussi dans l'aide aux appels à projets, notamment appels à projets européens assez complexes. Et donc, c'est une équipe en fait qui est très professionnelle et qui a beaucoup gagné en rapidité, en efficacité et en professionnalisme. Et d'ailleurs, de l'Inserm, actuellement, il y a plusieurs dizaines de médicaments qui sont maintenant testés sur le marché. Il y en a 6 qui sont commercialisés, dont un d'ailleurs dans le domaine de l'hépatologie, qui a été racheté par une grande firme pharmaceutique sur l'hépatite Delta. Et il y en a plusieurs actuellement. Et il y a une start-up ici de l'Inserm qui a levé à Marseille une centaine de millions d'euros, qui est d'ailleurs associée au biocluster qui vient d'être labellisé. Donc on commence à voir des résultats de cette valorisation et de cette évolution vers le transfert de valeur qui... sur lesquels, il faut bien le dire, en France, on était vraiment faible. C'est un exemple que je donne toujours, et je suis un hépatologue, j'ai travaillé 20 ans sur le virus de l'hépatite C. La recherche académique en France était très performante au niveau mondial pour la compréhension du cycle de replication du virus, pour identifier les cibles d'attaque contre son mécanisme de replication. Mais in fine, 100% des médicaments qui ont permis l'éradication du virus sont d'origine américaine. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines. Et donc, c'est là
là, on a vraiment un changement de paradigme à faire. C'est pas seulement notre recherche biomédicale qui est incapable de se valoriser, c'est aussi un écosystème. D'abord, c'est aussi des mondes qui doivent se parler, bien sûr de façon encadrée, mais qui doivent se parler. Je le dis toujours, un chercheur ne sait pas fabriquer un médicament, ni un médecin d'ailleurs. C'est un métier, donc il faut des professionnels. Et puis, l'écosystème aussi d'investissement était assez faible, particulièrement en santé, mais ça commence à bouger. Et vous voyez que on a des partenariats avec les industriels qui sont listés ici et qui se développent de façon exponentielle, avec maintenant aussi pas mal de chercheurs qui se lancent dans des tentatives de valoriser leur propre recherche, une molécule qu'ils ont découvert, et on est là pour les accompagner. Alors, je voudrais dire un mot sur l'écosystème actuellement et on peut dire que je l'ai dit, donc je ne renie pas ce que j'ai dit. Je pense que la recherche biomédicale en France, elle a été maltraitée pendant de nombreuses années. La recherche de façon globale, mais la recherche biomédicale particulièrement, avec un sous-financement et en fait un déclin du financement. Si vous regardez le budget de l'INSERM, il était flat depuis 10 ans et donc était en décroissance. Et puis même dans la loi de programmation de la recherche telle qu'elle a été construite, quand j'avais demandé à Frédéric Vidal si elle avait prévu dans la loi de programmation de la recherche qui est sortie en 2019, juste avant le Covid, donc vraiment quelques mois avant le Covid, si elle avait prévu de sanctuariser une part pour la biologie en santé, sa réponse d'ailleurs lors de la journée des directeurs du INSERM était non. Et en disant tout doit être compétitif. Mais bon, je connais un peu la vie et je peux vous dire que la médecine, le biomédical peut pas être compétitif avec le spatial ou avec certains impératifs de recherche en physique. Quand vous construisez un synchrotron, ça a un coût, hein, ça fait 1 kilomètre de diamètre, c'est pas la même chose. Et pareil, quand vous envoyez une fusée, chaque décollage, il vous grille le budget INSERM des 10 ans. Donc c'est pas rien. Donc ça, c'est un point important. Mais c'est dans cette loi de programmation de la recherche, il faut reconnaître qu'il y a premièrement un réinvestissement, avec premièrement une revalorisation des salaires des chercheurs qui sont clairement plus haut niveau par rapport à nos voisins européens, une modification des primes, une augmentation du budget avec pour la première fois donc la possibilité de réembaucher et de recréer des emplois de chercheurs et de techniciens, même si c'est pas énorme, c'est 200 sur 5 ans, donc c'est pas énorme, mais aussi la création de chaires professeurs juniors dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont des chaires de niveau futur DR2 pour les chaires à l'INSERM ou de professeurs d'université de niveau 2 pour les chaires à l'université, et aussi associer un welcome package de l'ANR de 200 000 €, ce qui est un minimum parce qu'on peut aussi, je dirais, même revaloriser ça si on le souhaite pour recruter. Et l'idée, c'est aussi de faire revenir des jeunes à profil vraiment intéressant et qui notamment sont recrutés donc entre le CR, le chargé de recherche, et le DR, mais avec la possibilité bien sûr de devenir directeur de recherche en 3 à 5 ans, et ça c'est le but. Donc c'est un premier pas, mais insuffisant pour rattraper tout le retard, puisqu'elle s'étend sur 10 ans. Les sénateurs voulaient la rétrécir sur 7 ans, mais ça a été refusé. Par contre, après le Covid, donc le président a mis en place le plan France 2030 avec un volet santé de 7 milliards d'euros, donc France Santé 2030. Et dedans, vous avez donc des financements pour les IHU, les RHU, les cohortes, les biobanques, et aussi pour de nouvelles approches comme la recherche à risque, et puis d'autres éléments. Et donc ce réinvestissement est vraiment important, et c'est à nous aussi d'aller le chercher et d'aller. Donc il y a vraiment une. Et puis c'est la première fois qu'on remet le mot santé, recherche et santé, et ça fait du bien. Donc maintenant il y a à transformer l'essai, donc et à redonner, je dirais, à notre recherche le niveau qu'elle doit avoir. Donc aussi un soutien à la recherche à risque qu'on appelle donc recherche high risk high gain, donc où
peut-être on a été absent dans le Covid, hein, si on regarde par exemple notre présence sur l'ARN messager ou même sur la recherche sur le coronavirus, mais on peut dire que sur l'ARN messager, on n'était pas au niveau de certains pays et donc d'une recherche qui n'était pas... Donc, et ça, ça fait partie des savoirs... démarrer des projets très en amont qui vont in fine payer. On peut donner aussi d'autres exemples. Ceux qui travaillaient sur les ARN interférents il y a 15-20 ans, parfois on ne savait pas où ils allaient. Et maintenant, vous voyez des médicaments ARN interférents qui traitent avec succès certaines maladies génétiques en bloquant la protéine mutée. Donc, tout ceci, nous, on doit l'anticiper. On doit aussi accepter des échecs, mais on doit aussi se préparer à et relancer toute cette recherche. Et puis donc coordonner les forces de recherche, car en effet l'INSERM n'est pas tout seul et il doit travailler aussi avec ses partenaires que sont les universités, les hôpitaux, mais aussi les autres organismes, CEA, CNRS, sur INRAE, sur les différentes thématiques transversales. Alors, nous sommes pilotes et copilotes de ce qu'on a. Vous avez vu que sont sortis il y a 2 ans des objets nouveaux en recherche, que sont les programmes de recherche à portée nationale, ce qu'on appelle les PEPR, programmes et équipements prioritaires en recherche. Donc, il y en a deux types, ceux qui sont dites stratégie nationale. En gros, ils ont été décidés par l'État, donc là vraiment du top to the bottom. Et puis aussi ceux qui sont exploratoires que les organismes ont proposé et nous en avons proposé. Par exemple, l'antibiorésistance est le premier, il est le plus ancien, il est en fin de vie. Mais par exemple, la psychiatrie est un PEPR qu'on appelle exploratoire, que l'INSERM a copilote avec le CNRS, qui s'appelle Propsy. Et donc, c'est doté de 80 millions d'euros. Et la particularité de ces PEPR, c'est la plupart, et ça, ça n'a pas été compris au départ, c'est que ça fonctionne pas seulement comme des appels d'offres, mais aussi comme des projets fléchés avec organisation de consortiums et donc sur des thématiques fléchées pour en gros une partie du programme et aussi un programme, une partie en appel d'offres ouvert. Et donc ça c'est assez nouveau et beaucoup de gens ont du mal à s'adapter à ça, mais c'est maintenant je pense bien rentré dans les têtes. Le programme santé numérique est doté de 60 millions d'euros, on l'a ouvert hier avec l'INRIA, il y a 17 projets fléchés. Et puis la moitié à peu près du budget sera sur des appels d'offres. Le PEPR biothérapie et bioproduction, on le copilote avec le CEA, c'est également 60 millions d'euros et il va démarrer en septembre. Le PEPR maladies infectieuses émergentes qui est piloté par l'INSERM et l'ANRS, c'est 80 millions d'euros et fonctionne uniquement en appel d'offres. Et donc, la première tranche de 22 millions d'euros a été close. On a reçu une centaine de réponses. Et puis, va être ouvert aussi alimentation durable, favorable à la santé, qui se fait avec l'INRAE, avec un focus tout à fait particulier sur l'alimentation, mais aussi sur le microbiote. Et puis, le PEPR santé des femmes, doté de 30 millions d'euros, qui focus essentiellement sur deux aspects, infertilité des femmes et endométriose. Donc, ce sont des exemples. Et actuellement, on a proposé au SGPI plusieurs thématiques sur le diabète, sur les organoïdes, et aussi sur exposome et santé. On verra si on arrive à convaincre les tutelles. Mais en tout cas, on est sur différentes thématiques pour piloter de nouveaux programmes. On a aussi plus récemment ouvert ce qu'on appelle des programmes d'impulsion qui sont dotés beaucoup moins, qui sont 1,5 million d'euros, dont l'idée est de démarrer et de lancer, de préparer en fait des futurs PEPR si ça marche, et avec certains qui sont assez proches de la clinique, comme il y en a un qui s'appelle Chirurgie du futur. La chirurgie est en train de changer complètement. La recherche chirurgicale, avec notamment les apports du numérique, notamment des mathématiques, avec les jumeaux numériques, la numérisation, la simulation, beaucoup d'approches en chirurgie, ce qu'on appelle augmentée. On a aussi sur neuroimagerie, climat et santé, impact du climat et santé, et aussi sur les cellules en trois dimensions. Donc, des programmes qui sont à la fois très fondamentaux pour certains et d'autres à la frontière de la technologie de la santé.
Alors, je voudrais dire un petit mot pour la place de la recherche en CHU. C'est un sujet qu'on avait débattu quand j'étais à doyen et également président de la conférence des doyens. Clairement, je pense qu'il y a besoin d'un changement important à l'INSERM par rapport à d'autres organismes de recherche. C'est un message que j'essaye de faire passer et que je pense qu'il commence à passer. Et je pense que la recherche biomédicale, elle, par rapport à d'autres organismes de recherche, nous sommes ce que j'appelle dans le triangle. Et je souhaite rapprocher chaque point du triangle qui sont l'université, l'INSERM et les CHU notamment, en tout cas, ou les hôpitaux de façon, ou la médecine de façon plus générale. Et ça, c'est la particularité par rapport à d'autres organismes de recherche. Et c'est vrai que c'est des mondes qui se connaissent, mais parfois qui ne se connaissent pas très bien. Et notamment, avec aussi une vision de la recherche clinique qui est très inclusion dans les essais, mais une méconnaissance aussi de la recherche, je dirais, en physiopathogénie. Et donc là, il y a vraiment un travail énorme à faire pour... je dirais d'une part se comprendre l'importance de la recherche translationnelle est fondamentale. Un, réinvestir, parce que l'investissement dans les CHU, pour moi, il est insuffisant. Vous savez que le système des mairies, qui a été vu jusqu'à très récemment comme un système de compensation des dépenses, mais pas vraiment d'investissement, à part quelques exceptions. Et l'investissement a été fait essentiellement sur les URC, mais assez peu sur d'autres domaines. Et donc là, il y a... Et puis, toutes les équipes le disent, hein, n'ont pas l'impression d'avoir un retour direct de leur investissement en recherche. Donc ça, c'est un point. Et puis, finalement, il y a un point qui est toujours, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la recherche, c'est bien de mettre de l'argent et il en faut. Hein, il n'y a pas de mystère. S'il n'y a pas d'argent, on a du mal, on ne peut pas avancer. Mais aussi, il faut que des chercheurs. Et alors, les chercheurs, il y a des chercheurs INSERM, il y a des chercheurs CNRS, il y a des ingénieurs INSERM titulaires, il y a des doctorants. Mais il y a aussi les HU et les hospitaliers. Et si les HU, ils ont tout le temps la tête dans le guidon à faire du patient, ben, il n'y a plus de temps recherche, il n'y a plus de temps universitaire. Et pour faire de la bonne recherche, ça se doit se faire, il faut avoir du temps. Il faut pouvoir dégager du temps. Et il est vraiment temps de remettre, de l'universitaire et du temps recherche-enseignement dans le temps de travail des médecins, si on veut avoir un vrai investissement en recherche. Parce que ce n'est pas une perte, contrairement à ce que certains pensent. Pour moi, il n'y a pas de bonne médecine, il n'y a pas de médecine de qualité s'il n'y a pas de bonne recherche médicale. Les deux sont liés. Donc, et ça, c'est quelque chose, pour moi, qui est absolument fondamental. Alors, l'INSERM n'est pas en charge du temps des HU, mais c'est, là, je me retourne vers le professeur Rioux, qui est vice-président de la conférence des doyens, pour militer pour ça. Au niveau national aussi, il va y avoir probablement des cadrage un peu du positionnement des différentes ONR. Pour moi, et je pense que c'est ce qui va ressortir, c'est que nous sommes l'organisme en charge de la recherche biomédicale, en responsabilité d'axes stratégiques émergents au niveau national, pilotes de programmes nationaux que je viens d'identifier comme les PEPR, mais aussi fondateurs des IHU, des bioclusters qui viennent d'être créés et qui sont déjà existants, aussi partenaires des RHU. L'idée, c'est de développer pour l'INSERM, c'est d'arriver à développer plus de marge de manœuvre stratégique et puis aussi d'améliorer l'attractivité des différents métiers de la recherche. Il y a tout un travail à faire, aussi redonner du dynamisme aussi dans les carrières des chercheurs et aussi redonner, je l'ai déjà dit, du temps recherche aux hôpitaux universitaires notamment, mais ça peut être aussi des hospitaliers. Et au niveau des sites, il y a une absolue nécessité de mieux se coordonner et de travailler ensemble avec les universités et avec les CHU pour avoir une vraie politique de sites, ce que j'appelle le triangle. Et puis aussi, on a des sujets absolument majeurs qui sont actuellement différents points bloquants pour les chercheurs sur lesquels on doit travailler, qui sont les biobanques, les entrepôts de données de santé, les centres d'investigation clinique, les cohortes. Et tout ceci, c'est est essentiel dans, je dirais, la visibilité de la recherche de 2023 et des années qui viennent. Enfin, notre recherche, comme je vous l'ai dit aussi, pour moi, elle est beaucoup plus transdisciplinaire en intra-universitaire, mais aussi avec les autres organismes qui sont listés ici. Alors, il faut aussi, pour innover, c'est aussi savoir diffuser des connaissances. Et comme vous le savez, il y a parfois
malheureusement des contre-vérités scientifiques qui sont prises argent comptant par nos concitoyens. Et des enquêtes ont montré que 40% des Français adhèrent au moins à une contre-vérité scientifique. Et puis, il y a des, je dirais, certaines fausses informations médicales ont la peau dure et il suffit d'ouvrir la télé et regarder les journaux pour se rappeler ceci. Et donc, nous, à l'INSERM, on essaye de renforcer cette communication et, je dirais, cette connaissance du monde scientifique pour le public qui ne l'est pas. Et c'est pas si simple, mais c'est vraiment important de faciliter l'accès à l'information scientifique pour les patients avec des formations, favoriser aussi des rencontres et des dialogues entre chercheurs et associations, être un relais aussi des préoccupations et des besoins de la société. Ça aussi, c'est un challenge, je dirais, en santé publique. C'est essayer de mieux coller aux problématiques de la société, de répondre aux enjeux. Pourquoi il y a plus de cancer du pancréas? Pourquoi il y a, quel est l'impact de la pollution sur notre vie? Et il faut qu'on soit plus dans le concret, en termes de réponse aux engagements majeurs. Et puis aussi développer des projets de recherche participative, ce qu'on a commencé. L'ANRS a été une des premières agences à bien monter ça au début du VIH, avec la participation des associations de patients VIH. Mais maintenant, ça se développe de plus en plus et ces associations de patients participent aussi à l'élaboration et à la mise en place des projets. Et parfois, quand il y a leur approbation, ça favorise aussi la mise en place des essais. Donc l'INSERM aussi est sur les réseaux, ça c'est pas moi qui m'en occupe, mais c'est j'ai du mal à allumer tous ces trucs-là. Et puis nous avons aussi des moyens de communication par des documents qui essayent d'expliquer le lien entre science et aussi développement et impact sur la santé. Et le lien entre ces points. Donc on a fait aussi notamment après et pendant la crise Covid, où il y a eu un peu de tout, je dirais, sur les médias, on a mis en place ce qu'on appelle Canal Détox, qui est une série inédite sur les réseaux sociaux, où, pour s'opposer à la mésinformation en santé, avec l'aide d'un certain nombre de chercheurs et de concitoyens, qui a bien marché, et aussi un livre sur les fake news en santé, pour lutter contre la désinformation. Et puis donc une cellule Riposte aussi où on rassemble une centaine de chercheuses et de chercheurs pour répondre de façon réactive aux questions des médias et des citoyens. Et en effet, nous avons besoin que notre recherche soit supportée et comprise aussi par la population française, c'est essentiel. Et puis je crois que je vais arrêter là et je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup.